Je m'appelle Jérôme Diogo et je suis photographe animalier. Le monde animalier me passionne sous toutes ses formes. J'ai la chance pour voyager, j'ai eu l'occasion de voir de nombreuses espèces emblématiques telles que la grande faune africaine, les pumas en Amérique du Sud, les espèces les plus insolites d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, les bœufs-musqués en Norvège. Et j'ai également découvert que la faune locale pouvait fournir des sujets tout aussi passionnants. C'est ainsi qu'il y a quelques années, je présentais ici au Festival de l'Oiseau et de la nature, une exposition que j'avais appelée Voltige, dont le sujet était les acrobaties aériennes des petits passereaux de chez nous au-dessus d'un endroit. J'avais pris partie d'une représentation minimaliste sur fond blanc. Cette année encore, je reviens avec une exposition, Territoire de Relier, sur un sujet local, le Relier d'Europe. Le Relier est un oiseau extraordinaire qui me passionne depuis 15 ans, et chaque printemps, je passe 3 mois à l'observer, le photographier et essayer de le comprendre. Une espèce magnifique, cette couleur dominante de bleu est assez rare dans la vivonne française, elle rappelle vraiment une espèce exotique. Les comportements de cet oiseau sont tout à fait passionnants. Son installation, sa compétition avec les espèces voisines pour découvrir une cavité, la cour qu'il fait à sa femelle, l'accouplement, la ponte des œufs, l'incubation, l'élevage des jeunes, tout ça est vraiment fascinant à observer. Mon exposition Territoire de Relier tentera de rendre hommage à la beauté de cet oiseau, mais également de présenter ses comportements les plus fascinants. Territoire de Relier, c'est également le nom du livre que j'ai consacré à mon espèce favorite. C'est le récit de mes rencontres avec l'oiseau bleu, au cours desquelles j'ai appris à le comprendre et l'admirer. Donc rendez-vous très bientôt maintenant au Festival de l'Oiseau et de la Nature pour partager avec vous ma passion pour ce si bel oiseau.